Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. La tribune des décideurs, chaque lundi, 12h30, le grand rendez-vous des décideurs. Un rendez-vous, je vous le rappelle, pendant lequel vous pouvez poser toutes vos questions en direct à nos invités. En l'occurrence, il s'agit aujourd'hui de Christophe Demestre. Bonjour, monsieur Demestre. Bonjour. Vous êtes le patron de Siemens France. À mes côtés, pour vous interroger, en plus des questions qui nous remonteront des internautes, eh bien, Robert Jules. Bonjour, Robert. Bonjour, Thomas. Le patron de la rédaction de la tribune.fr. On va évoquer, si vous en êtes d'accord, monsieur Demestre, eh bien, l'actualité économique de ce pays. Dans un deuxième temps, on parlera de votre groupe, hein, Siemens, une multinationale allemande réputée. Et puis, un dernier mot sur votre parcours, vos ambitions, votre style de management. Alors, on va commencer par vous présenter. Vous avez 47 ans. Vous avez fait des études à l'Institut supérieur de mécanique de Paris, un DEA à l'École normale supérieure de Cachan. Et vous êtes passé aussi par MBA aux États-Unis. Une grosse expérience chez Siemens, vous y avez passé l'essentiel de votre carrière, sauf un an. Tout à fait. Et une expérience internationale également, puisque vous avez vécu 10 ans en Chine. On va peut-être commencer par cette première partie chinoise. J'imagine que c'est fondateur dans une carrière de boss, que ça marque. Qu'est-ce que vous en retenez ? C'était tout à fait une période intéressante dans le sens que c'était 98, c'était le début de la croissance et du modèle révolution chinoise. Donc intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, notamment en développement industriel, commercial. C'était un boom et aussi un terrain d'expérimentation pour un entrepreneur. Une autre planète. Une autre planète. Ça a beaucoup changé en 10 ans, 15 ans, la Chine. Vous y retournez régulièrement ? Malheureusement, je n'y retourne plus. Et a priori, quand vous êtes parti 6 mois de Chine, vous ne connaissez plus rien à la Chine. Donc, je ne peux rien dire là-dessus. Il faudrait que j'y retourne pour savoir. Ben, ça arrivera peut-être dans une autre partie de votre carrière. Un mot d'actualité aussi sur l'Ukraine. Il y a des tensions, plus que des tensions. Hein. On est au bord d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine sur la partie de la Crimée. Est-ce que ça, en tant que chef d'entreprise, c'est des choses qui vous inquiètent ou vous dites c'est loin ? Ça nous inquiète parce que c'est en Europe, ça a naturellement une influence sur le climat des affaires. Parce que si le climat n'est pas bon, ça ne favorise naturellement pas le développement harmonieux et la confiance dont on a besoin pour développer le business. Mais ça ne change pas le quotidien actuellement, non, non. Vous dites y a pas, c'est pas la peine de paniquer non plus. Non, je ne pense pas que ça soit la peine de paniquer pour l'instant, non. Donc Siemens, c'est 7000 employés en France, 40 sites. Vous avez participé avec d'autres patrons de filiales françaises de grands groupes étrangers à un appel pour sensibiliser l'État, le gouvernement, à l'attractivité de notre pays. Ça a été bien accueilli parce que vous avez été reçu à l'Élysée. L'idée, c'était de se dire, voilà, nous, en tant que boss de filiale française, on a du mal à aller à Munich ou à Berlin parce que vous avez une bicéphalie dans votre siège, convaincre nos patrons, nos grands patrons d'investir dans ce pays, dans l'Hexagone. Enfin, l'idée, c'était surtout d'apporter un éclairage qui soit d'une entreprise qui est à la fois très ancrée dans le tissu français. Nous avons, comme vous l'avez dit, 7000 employés. Nous sommes un outil industriel au service de la réindustrialisation de la France. Présent depuis 160 ans dans le pays. 160 ans et héritier d'un certain nombre de grands noms français que je voudrais citer, Matra Transport ou Creuse-Loire. On a une entreprise qui fabrique toute la partie métallurgie et donc qui est une fierté nationale. Donc nous sommes héritiers de cette tradition française industrielle. Donc c'est dans cet esprit-là que nous avons voulu apporter aussi peut-être un angle de vue un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire savoir des comparaisons, ce qu'on appelle des benchmarks de sociétés étrangères. Qu'est-ce qui a été fait dans un certain nombre de pays de telle manière à restaurer un dynamisme, notamment industriel ? Mais ça, c'est... Pardon, Robert. Vous pensez qu'il y a une éducation à faire au niveau du personnel politique ? Monsieur Hollande, ça fait quand même un an et demi qu'il est installé à l'Élysée et c'est à peine maintenant qu'il s'aperçoit qu'il y a des choses à découvrir ? Je ne pense pas que ça soit lié à un an et demi de pratique de pouvoir. Je crois que c'est lié plutôt à 20 ou 30 ans de pratique et que l'ensemble des pays européens et internationaux sont dans une compétition qui est maintenant mondiale. Donc il s'agit là aussi probablement de revoir un certain nombre de pratiques et de communication et faire en sorte que la compétitivité soit en permanence améliorée, travaillée et qu'il y ait un échange entre les décideurs politiques, quel que soit leur bord, et naturellement les industriels qui veulent investir. Donc vous avez fédéré 53 dirigeants hein, de filiales de groupes étrangers. Est-ce que vous avez l'impression de peser, d'être écouté et d'être entendu ?
Oui, je pense qu'on est très entendu. Maintenant, on fait des propositions très concrètes, aussi bien sur la fiscalité, sur le droit social, sur naturellement l'innovation, parce qu'il faut garder à l'esprit l'ensemble des vecteurs de croissance qui sont à notre disposition en France. C'est dans cet esprit-là, je dirais, constructif, que nous avons voulu faire un appel à l'ensemble, je dirais, des acteurs politiques et économiques de ce pays. Le pacte de responsabilité va dans le bon sens, selon vous ? Tout à fait, oui. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Il y a eu aussi énormément de travail qui a été fait de la part de nos pays voisins. Je pense en particulier à l'Espagne, mais aussi à l'Italie qui se met en marche. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience européenne, notamment des pays du sud de l'Europe. Ça, c'est le côté positif de la crise européenne. Ça nous oblige à devoir changer de modèle, d'innover, de réformer. Tout à fait. Innover et réformer, ce sont les deux maîtres mots, à mon avis, qui résument l'ensemble de la politique qu'on doit conduire. C'est une pratique assez courante dans une entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une crise, vous êtes en permanence en train de revoir vos modèles, vos organisations. Je dirais, dans un groupe comme le nôtre, nous changeons à peu près tous les 4-5 ans l'organisation de telle manière à redonner un dynamisme, un boost. Et précisément, le temps politique et le temps de l'entreprise est très différent. Assez différent. Effectivement, pour un groupe industriel, on est plutôt dans une séquence à 20 ans. Et c'est un point important, notamment sur le plan fiscal sur lequel nous avons insisté. C'est-à-dire que si on veut investir, il faut qu'on ait une certaine lisibilité, aussi bien sur un certain nombre de mesures qui sont à prendre fiscales, notamment. Et alors, je répète ma question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? Est-ce que vous aurez de la lisibilité fiscale sur 20 ans ? Écoutez, en tout cas, sur un certain nombre de points qui ont été tout à fait clairement mentionnés, parce qu'il y a eu deux visites, il y a eu notamment tous les patrons monde qui sont venus, il y a un certain nombre de déclarations fortes qui ont été faites. C'est les premiers pas, il faudra les suivre, mais le président a annoncé qu'il voulait avoir ce sommet tous les 6 mois, donc on jugera aux actes. Mais je pense que d'un point de vue général, c'est important d'avoir cette impulsion, cette reconnaissance, ce qui n'était pas forcément évidente avant et qui maintenant a trouvé un écho favorable. Un mot sur ce que vous observez en tant que patron d'une grande entreprise ici en France, sur la conjoncture de notre pays. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que ça va moins bien ? Je crois qu'il y a un phénomène d'attente. On est clairement dans une phase où on a des signes, à la fois des lueurs, mais qu'il va falloir maintenant construire, développer. Et encore une fois, il faut donner une impulsion. Et la réforme, ça ne s'arrête pas un jour. La compétitivité, ça se travaille tous les jours. Et il ne faut pas croire qu'à partir du moment où on a fait un certain nombre de premières décisions, la chose est entendue et finie. Je pense qu'il y a un cycle vertueux à créer, qu'il s'agit naturellement pour nous et pour la France de mettre en marche. Ce qui me frappe, moi, pour avoir passé, comme vous disiez tout à l'heure, pas mal d'années à l'étranger, et particulièrement dans les pays émergents, c'est ce dynamisme, cette remise en question perpétuelle. Cette vitesse, prise de risque. Exactement. Mmh. C'est le côté entrepreneur. Je pense que la France a vraiment des atouts très, très solides sur l'entrepreneuriat, avec des ingénieurs de très, très grande qualité. Et il faut un peu libérer un certain carcan, aussi probablement des mentalités. Précisément, vous pensez que ça, c'est juste une question de culture, puisque déjà le prédécesseur de M. Hollande avait, dès 2007, voulu impulser une sorte de dynamisme et qui, bon, ne lui a pas permis de retrouver un deuxième mandat, par exemple. Moi, je pense qu'il faut quelques signes forts. Il ne faut pas uniquement de la parole, il faut effectivement pouvoir la traduire. Ce serait quoi, par exemple, très concrètement, la mesure qu'attend un patron de groupe étranger comme vous, comme signal fort ? Alors, ça peut être notamment sur, j'en ai parlé, c'est avoir un site dédié à l'innovation, comme l'ont les Américains. C'est quelque chose de Silicon Valley. Silicon Valley à la française, ça me paraît important. D'incarner, quand vous pensez aux États-Unis, pendant très longtemps, on associait les États-Unis à la vieille économie. Ouais. Ils ont réussi à créer une certaine révolution, Est-ce que ça se décrète, ça ? Est-ce que c'est de la responsabilité de l'État ? Parce que finalement, les entrepreneurs vont taper beaucoup à la porte de l'État en disant « faites-nous une Silicon Valley ». Les Américains, ils n'ont pas demandé à un gouvernement quelconque de leur fabriquer une Silicon Valley, ils l'ont construite. Mais on ne demande pas à l'État de fabriquer une Silicon Valley, elle existe. Elle est autour de sa clé. On a l'ensemble des universités qui ont fait leurs propres décisions. Palaiso est installé avec Polytechnique. Il y a Supélec, il y a Centrale qui s'y installe. Qu'est-ce qui manque alors ? Ce qui manque, c'est un réseau de transport qui soit lié facilement aux aéroports et aux... Ramène au business. On va en reparler après. Ça nous ramène effectivement à créer un espace qui soit un espace à la fois moderne, c'est-à-dire simplement à avoir un lieu où on puisse facilement accueillir la recherche, parce que les grandes entreprises ne sont plus comme autrefois avec 40 000 employés sur un site qui produisent en série. C'est un certain nombre de tissus, un écosystème de network
de petites entreprises qui travaillent, d'ingénieurs tout à fait jeunes, parce que la jeunesse, c'est elle qui crée le dynamisme, les ruptures technologiques. Donc il faut pouvoir les connecter et pouvoir créer ce dynamisme. Si je vous entends bien, on a un problème de mise à niveau de nos infrastructures actuellement. On a un retard. Non, parce qu'on a des excellentes infrastructures, mais simplement qui sont pas mal conçues en étoile. Il va falloir un petit peu penser à fédérer tout ça dans un ensemble plus cohérent et à mon avis plus dynamique. On va reparler des infrastructures dans la deuxième partie de cette émission. J'aimerais qu'on finisse cette grande picture, ce grand zoom sur l'économie. Le couple franco-allemand, comment est-ce qu'il va ce couple franco-allemand ? Écoutez, je ne suis pas dans la politique, donc je ne peux pas vous le dire. Non, mais vous voyez, le business des deux côtés du Rhin. Bah, écoutez, vous avez accès à des grands décideurs allemands. Et quelle est la tonalité en ce moment ? Moi, je peux la regarder dans la tonalité de ce que j'en fais tous les jours. Nous sommes un acteur en France. Nous avons un grand nombre de partenaires français que nous accompagnons à l'exportation. Nous avons 9000 fournisseurs français, dont à peu près 2000 que nous qualifions à l'exportation, qui viennent avec nous, qui gagnent des contrats avec nous à l'exportation, sur des projets aussi bien en France qu'en Allemagne. Je vous en donnais un qui est tout à fait emblématique, sur le plus gros contrat que Siemens a eu dans les trains à grande vitesse. L'ensemble des systèmes des portes palières et des systèmes de freinage pour les trains à grande vitesse, c'est quand même assez essentiel, sont faits par un groupe français, Faiveley. Donc, qui a été qualifié en France et que nous emmenons à l'exportation. Donc ça, ce sont des réalisations concrètes. On ne peut plus parler maintenant de pays complètement indépendants les uns des autres. Je dirais la qualification locale d'un certain nombre de fournisseurs est tout à fait essentielle au développement de l'entreprise. Et donc les patrons allemands que vous côtoyez régulièrement ne se méfient pas du voisin français, de l'orientation qu'il a pris ? Ils ne sont pas adeptes du French bashing. Non, ils ne sont pas adeptes du French bashing. C'est un de mes rôles, d'ailleurs, de les convaincre que ce n'est pas le cas. Mais ils ont malheureusement tendance à lire un peu trop souvent les journaux anglo-saxons qui, eux, pratiquent ce genre de sport French bashing avec délectation et qui essayent de trouver l'ensemble des petites mesures qui seraient naturellement dans ce sens-là pour en faire leur chou gras, et en termes notamment quand on parle de médias. On en parlait, la partie infrastructure, c'est une grosse activité pour Siemens. Et vous êtes le héros du Grand Paris Express, ce réseau ferroviaire censé mieux desservir le Paris et sa région, y compris banlieue à banlieue. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette ambition ? Je pense qu'il y a une véritable volonté du groupe. D'abord, c'est une opportunité importante parce qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards d'investissements qui sont nécessaires. On le voit tous les jours dans le fonctionnement, je dirais, des trains de banlieue notamment, et avec la population qui augmente, le nombre de visiteurs aussi qui augmente, 3-4% par an, qui crée naturellement une pression forte sur l'infrastructure. Ces investissements sont nécessaires, importants. Il se trouve qu'on a le plaisir, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir un centre de compétences mondial parmi les 7 que l'on a dans le monde, enfin en France, qui rayonnent sur le monde, qui est lié au métro automatique. Siemens livre, grâce à anciennement Matra Transport, maintenant Siemens, qui fait l'ensemble de l'automatisation des métros parisiens. La ligne 14, par exemple. La ligne 1, qui sont des réalisations tout à fait remarquables que l'on fait avec la RATP. Il y a naturellement des projets qui sont pour l'ensemble du réseau de Paris et au-delà de Paris, naturellement, sur d'autres agglomérations. Ça, c'est une chance importante. L'idée, ça serait de faire profiter le Grand Paris Express de savoir-faire en automatique, par exemple ? Tout à fait. C'est déjà le cas. On l'exporte à partir de la France, à Hong Kong, à Rio. Pour le Grand Paris Express ? C'est effectivement d'avoir le même système. C'est un système qui va donner des opportunités importantes sur cette filière ferroviaire, qui est pour nous naturellement un cheval de bataille important. Et on en est où ? Est-ce que le carnet de chèques est prêt ? Est-ce que les chèques vont être signés ? Parce qu'on est quand même dans une période un peu compliquée. Alors vous avez tout un processus, vous avez la Société du Grand Paris, vous avez les qualifications, vous avez un certain nombre de constructeurs qui proposent des projets, notamment des projets de liaison qui peuvent se faire plus rapidement avec des financements, enfin on a un certain nombre d'idées que l'on naturellement met en avant. Mmh. Et notre expertise en tant que groupe européen me semble tout à fait intéressante et pertinente. Mais si le calendrier fonctionne, ce sera quand le premier coup de pioche du Ça sera en 2015 probablement. C'est relativement proche. Donc les études sont à faire parce que ce sont des gros projets structurants. Après, il faut savoir définir l'ensemble des priorités les unes par rapport aux autres. Mais c'est tout à fait des exports. En plus, quelque chose d'important, si vous avez une réalisation en France avec des technologies nouvelles, par exemple le Val ou le Néoval que nous fabriquons en France, que nous avons vendu d'ailleurs à Rennes, ce sont des références importantes. Si vous voulez convaincre à l'exportation à partir de la France, il faut que vous ayez des références en France qui fonctionnent. La ligne 14 est une belle réalisation qui est visitée par plus de 350 délégations par an,
qui est state of the art, comme on dirait en, je dirais dans, l'état en anglais. L'état de l'art. L'état de l'art, ah, exactement. En français. Et c'est un, merci. Et effectivement important, parce que si vous voulez convaincre à l'exportation d'une réalisation qui est relativement unique, ouais, il faut savoir inviter la ligne 1, et en cela est aussi tout à fait remarquable, parce que automatisé, là, il ne s'agit pas de créer ex nihilo, mais c'était une ancienne ligne, très ancienne, plus de 100 ans, qu'il faut moderniser. Alors, inutile de vous dire, la ligne est assez complexe, avec des garages dans tous les coins. Quand vous automatisez cela, c'est d'un degré de complexité importante, et ce sont des ingénieurs français qui l'ont fait. Donc ça, c'est une compétence particulière. Quels sont, nous demande Pierre, les principaux concurrents de Siemens? Alors j'imagine sur le ferroviaire et puis ailleurs, vous avez... Il y en a beaucoup, parce que comme on intervient dans pas mal de secteurs, la santé sera différente naturellement. Alors si on reste sur le ferroviaire... Sur le ferroviaire, il s'agit naturellement d'Alstom, il s'agit de Bombardier, il s'agit de groupes aussi coréens. Et donc sur un, projet comme le Grand Paris Express, vous avez toutes vos chances face au champion national, Alstom? Écoutez, on va démontrer que si on veut gagner, il faut qu'on soit meilleur. Parce que sinon, on n'a aucun intérêt. Nous avons cette ambition-là. Léo demande Siemens made in France, point d'interrogation. Oui, alors ça, c'est important. Nous avons une valorisation en France, c'est-à-dire que nous faisons 2,1 milliards de chiffre d'affaires en France, 31% à l'exportation. Nous exportons d'une manière importante. Nous achetons en France pour 2 milliards. Ça, ce n'est pas tout à fait négligeable pour le groupe. C'est-à-dire que nous avons une contribution positive à la France. Et l'ensemble, notre ambition, notamment dans le ferroviaire, c'est d'avoir une offre qui soit non seulement localisée française, mais sans doute à un plus haut degré de français. Donc nous avons une attention particulière, parce que je pense que nous avons une responsabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons réindustrialiser ce pays. Nous sommes un outil industriel. J'ai l'impression d'entendre Montebourg, là. Ben, écoutez, c'est quelqu'un de bien. Je partage du moins sur ce point-là. Ça va lui faire plaisir. Tout à fait. Robert. D'ailleurs, il a eu une citation qui m'a fait très plaisir dernièrement à une question qui lui avait été posée sur l'outil industriel à valeur. Il a dit que dans ce plan économique et industriel, il préférait le droit du sol au droit du sang. Et je pense que c'est important, même si on a une légitimité sur le droit du sang, je pense qu'il faut créer de la valeur ajoutée locale, il faut savoir investir, et nous aurons cette ambition de démontrer que nous sommes un acteur local avec une valeur ajoutée. Et vous aimez son côté cash, où il propose des deals. Écoutez, c'est important d'avoir mis plus au centre des débats l'industrie. Je pense que c'est très important que les pays actuellement qui réussissent, c'est la Corée, c'est la Chine, c'est l'Allemagne qui ont une politique industrielle depuis très longtemps. Et c'est l'industrie, ça ne se bâtit pas en 2 ans ni en 18 mois. Ça se bâtit sur 10 ans et ses frontières politiques. Il faut avoir cette ambition au cœur de la démarche. Et je pense que quand vous créez l'industrie, vous créez quand vous créez un emploi industriel, vous créez 3 emplois dans le service. Donc ça, c'est du travail à long terme. Il faut savoir créer un écosystème qui soit favorable. Mais là aussi, il y a eu un changement de culture. Je me souviens, il y a 20 ans, le modèle conglomérat était absolument à bannir. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce soit dans les pays émergents où vous en êtes aussi l'illustration, le conglomérat, avec tout un ensemble de métiers, permet de développer une logique, une culture qui est tout à fait différente d'un seul métier. Je ne serais pas tout à fait d'accord, dans le sens où nous ne sommes pas un conglomérat. Parce que nous avons un point, nous avons des métiers différents, mais nous avons quand même un point qui est commun à l'ensemble de nos métiers, c'est l'automatisme. C'est l'énergie, l'automatisme. Donc, nous créons naturellement à partir de là. Et le groupe s'est recentré par rapport à une stratégie claire. Les activités qui faisaient partie de notre business, qui étaient assez conglomérats il y a quelques années, qui ne le sont plus. Le téléphone ne nous en faisait plus. L'ensemble des activités est maintenant chez Nokia. Donc on a eu un certain nombre de recentrages qui sont liés naturellement à notre corps. Compétences et qui est important naturellement pour nous de se concentrer là-dessus. Une question de Marsupplimet. Pour gagner la compétition mondiale, l'heure n'est-elle pas au consortium où concurrents deviennent des partenaires? Ça rejoint un peu cette question. Comment est-ce qu'on organise dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire la compétition? Je pense que c'est important. Effectivement, on le fait, on le pratique sur un grand nombre de projets où, quand les projets deviennent très complexes, il faut savoir s'associer avec des compétences. On le fait, nous, régulièrement, avec des grands groupes français, Thales. On le fait avec Alstom sur un certain nombre de projets aussi. Et je pense que c'est naturel d'avoir cela. Personne ne peut avoir la compétence complète et entière sur l'ensemble des activités. Y compris les petits acteurs. On parle beaucoup des start-up, des PME. Comment est-ce que vous travaillez avec cet écosystème quand on est un géant? Est-ce que c'est facile? Écoutez, c'est à nous de nous organiser parce qu'effectivement, la créativité et les ruptures technologiques viennent de ces entités-là. Donc, il faut savoir créer un lieu. La grosse difficulté, c'est de pouvoir les retrouver et savoir favoriser l'échange. Et l'échange, il doit se faire d'une manière très simple et très informelle.
Vous investissez dans des jeunes entreprises. Est-ce que vous avez un fonds de capital risque, de corporate venture, comme on dit ? Alors, on le fait naturellement en termes d'investisseurs, mais on le fait aussi en France. Notamment en France, on a une compétence assez unique dans le domaine du software, dans les outils de simulation. Alors, on a un grand acteur français que je n'aimerais pas, enfin, et qui est naturellement là-dedans dans les outils de simulation. Nous aussi, nous nous lançons dans l'usine numérique, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, ce qui est la quatrième révolution, après les automatismes, la troisième, la quatrième, qui est finalement relier l'automatisme avec l'outil de simulation. Pour gagner dans le temps de cycle, là, nous avons une ambition assez forte et nous achetons des entreprises en France. Nous avons acheté une entreprise qui s'appelle Elan, nous avons LMS Software. D'accord. Nous achetons un certain nombre et nous croissons. Nous essayons d'investir dans ce domaine. Vous pensez à Dassault Systèmes, ça, quand vous parlez d'un tout à fait. Alors, je ne sais voilà. pas toujours de citer tous mes concurrents, mais il y en a beaucoup en France. Non, mais pour que ce soit clair, c'est une terre d'innovation. Parce que si vous avez des grands concurrents mondiaux et qui sont là, présents en France, et que nous sommes capables naturellement d'être à haut niveau, ça justifie et ça crée le dynamisme. Vous n'avez pas de compétition ou de compétitivité si vous n'avez pas de compétition. Donc c'est ça qui est important. Elton demande, Siemens, groupe allemand, exporte beaucoup vers l'Allemagne. C'est vrai, c'est pas vrai ? En ce qui nous concerne, oui, on exporte beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des flux de matériaux qui sont importantes. Entre la France, l'Allemagne, c'est notre premier partenaire. Donc ouais. Effectivement, le groupe, l'ensemble des entités du groupe livrent aussi en Allemagne. On a une usine, grosse usine, notre plus grosse du groupe, qui est à Haguenau, en Alsace, et qui livre énormément, à 97% livre naturellement à l'étranger, dont une majorité en Allemagne. Alors on a parlé un peu de transport, l'énergie, ça aussi c'est un gros métier pour vous. Tout à fait. Quels sont vos gros chantiers actuellement sur l'énergie en France ? Naturellement, il y a tout le chantier de la transition énergétique qui implique un certain nombre de changements forts, notamment ce qu'on appelle le supergrid, c'est-à-dire relier l'ensemble des réseaux de transmission qui avaient été conçus finalement d'une manière assez centralisée à partir de centrales nucléaires ou de grosses unités de fabrication et qui rayonnaient sur un district relativement limité. Maintenant, les barrières tombent. C'est qu'on peut transporter l'énergie de plus en plus loin. Exactement. Alors que Siemens en France, avec Siemens Espagne, est associé actuellement de faire la première liaison qui relie la France à l'Espagne. C'est 2 gigawatts. Important, c'est le projet INELFE. C'est un des premiers, le premier même, qui est fait par RTE, naturellement, EDF RTE, qui est un acteur tout à fait important et peut-être un des plus importants dans ce domaine-là. Il y a d'autres chantier à suivre, notamment un doublement de cette ligne-là, après la liaison vers l'Italie. La transmission, ce qu'on appelle avec les nouvelles technologies HVDC, courant continu, qui permet de, je dirais d'une manière assez simple, de relier entre différents états ou régions ce courant sans grosse déperdition finalement de chaleur ou de diffusion par la transmission. Le fait que la transition énergétique est abordée de manière différente des deux côtés, des deux rives du Rhin, comment Siemens se positionne par rapport à c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nucléaire en Allemagne, c'est ça hein? Il y a encore du nucléaire. Enfin, ils sont confrontés à une décision politique qui a dit qu'il fallait changer de modèle. Alors c'est que les Japonais reviennent là-dessus. Hein? Sans doute, oui, tout à fait. C'est une île, c'est un archipel. Bon, écoutez, il n'y a pas de. Ce qui se passe, c'est que la transition est naturellement un mélange de technologies. On ne peut pas simplement. On raisonne sur des échelles de temps de 40-50 ans. Il s'agit naturellement de trouver le meilleur mix énergétique. Et on est confronté, tous les constructeurs, confrontés à un certain nombre de challenges qui fait que vous passez d'un certain modèle économique à un autre et il s'agit d'adapter. Ça crée tout un tissu nouveau dans lequel Siemens s'est positionné, notamment les smart grids, les réseaux intelligents, décentralisés, les plus petites turbines. Qui crée naturellement ce qu'on appelle les supergrids, la transmission, et aussi tout ce qui est lié à l'éolien, qui maintenant devient une énergie très compétitive, parce que il y a des enquêtes qui sont en cours, mais vous êtes plutôt en dessous du prix du nouvel nucléaire. Donc la vraie difficulté auxquelles les constructeurs tels que le nôtre sont confrontés, c'est le stockage de l'énergie. Ouais. Donc du coup, c'est bien qu'il y ait des tempêtes en Bretagne, ça permet de faire tourner les éoliennes. Ah non, c'est pas bon, parce que quand il y a trop de vent, vous ne pouvez pas les faire marcher. D'accord. Parce que c'est dangereux. Donc la tempête n'est bon pour personne. Bon, un mot sur la santé, autre grosse business unit pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la santé chez Siemens ? Pour nous, c'était un virage important, c'est-à-dire qu'on était extrêmement dans l'imagerie médicale uniquement. Et maintenant, on a décidé depuis quelques années de pratiquer aussi la diagnostic, c'est-à-dire que l'ensemble des tests sanguins, et on s'oriente de plus en plus vers une médecine très nouvelle, j'allais dire, avec la détection très précoce et personnalisée des maladies à venir. Alors aujourd'hui, j'ai entendu parler d'un certain nombre de tests sanguins, c'est exactement dans ce sens-là, c'est qu'on essaye de prévenir plutôt que guérir,
Alors il y a ce qu'on appelle de la radiothérapie ou un certain nombre d'injections, notamment d'éléments, je dirais, nucléaires qu'on injecte aux patients qui permettent de détecter les tumeurs, peut-être demain aussi les maladies Parkinson et de ce type de maladies quand même très graves, qui nous permettent naturellement d'avancer et de soigner le patient très en amont par rapport à un problème. Jeanne demande, Siemens fait-il partie des perdants de la téléphonie mobile avec l'émergence des smartphones? Existe-t-il encore des portables Siemens? Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle, plus jeune, j'avais acheté un portable Siemens, ça n'existe plus, ça? Ça n'existe plus. Avec Nokia aussi. Exactement. L'ensemble des activités ont été vendues en deux temps. Ouais. L'ensemble des téléphones portables, c'est parti assez vite parce que Siemens n'avait pas la taille critique. Et l'ensemble des réseaux est maintenant devenu une co-entreprise Siemens-Nokia et maintenant a été racheté par Nokia. Donc il y a des business dans lesquels il est difficile de se développer, de rentrer, même quand on est un acteur de votre taille. Écoutez, ce n'est pas que ça soit difficile, c'est qu'un groupe comme le nôtre, il doit savoir penser aussi à ses employés et à sa technologie. Si vous avez une entreprise, notamment le marché du téléphone a changé d'une manière assez incroyable, et vous n'arrivez pas à trouver la taille critique, donc plutôt d'attendre et de voir votre entreprise décliner et devoir faire des plans sociaux sur les uns derrière les autres, il vaut mieux l'associer à un acteur majeur. C'est la décision qui a été prise. Au même titre, je pourrais m'en donner une deuxième qui est beaucoup plus proche, que les Français connaissent assez peu. C'est Siemens dans le domaine de l'ensemble de l'infogérance et notamment des PC, des services informatiques, où Siemens a associé l'ensemble de ses activités avec Atos. Donc c'est devenu, sous la bannière d'Atos, maintenant un géant européen, le géant européen de la spécialité, parce que l'ensemble des 30 000 employés qui travaillaient dans cette branche de Siemens sont devenus maintenant Atos, qui est, je crois, a contribué au succès d'Atos. Donc il faut savoir, pour un groupe, quand vous n'atteignez pas à une certaine, trouver des partenaires, c'est un peu de ce dont vous parlez, qui soient capables, naturellement, de reprendre le flambeau et de développer l'entreprise comme elle mérite de l'être. Il y a d'autres activités que vous avez envie d'abandonner ? Écoutez, ça ne m'appartient pas d'en discuter. Je pense que nous avons un nouveau patron depuis le 1er août qui a décidé lui-même de faire cette revue stratégique qui est tout à fait important pour un groupe tel que le nôtre, se poser tous les 4-5 ans l'ensemble, de regarder ton portefeuille d'activités en décidant de renforcer un certain nombre d'autres, de certaines activités, de se séparer d'autres. La séparation ne veut pas dire forcément le déclin. Bien au contraire, le cas d'Atos est un cas tout à fait sensible. Parce que c'est une activité chez Siemens qui était relativement pas dans le focus de nos activités et qui maintenant, grâce à cette association et la prise de Siemens de share, c'est-à-dire devenir actionnaire de référence d'Atos, on a fait un géant européen. Et là, c'est un bon exemple de pratique franco-allemande. Alors, on va finir cette émission en parlant un peu plus de vous. Quand on a passé toute sa carrière dans ce groupe, on se voit aller jusqu'au bout. Ou est-ce qu'on est parfois démangé en se disant « Tiens, j'aimerais bien aller tenter ma chance ailleurs ». Écoutez, il est arrivé de partir pendant une année. En Chine, j'ai eu l'occasion de partir, de m'occuper pendant une année d'un LBO. Donc voilà, j'ai eu l'occasion. Ceci dit, quand vous sortez du groupe, vous voyez la force et le potentiel de développement tout à fait gigantesque d'un groupe aussi diversifié que Siemens, qui est dans... Il y a peu de groupes qui peuvent offrir autant de perspectives, c'est-à-dire qui sont placés dans l'ensemble des activités de demain, aussi bien la transition énergétique que l'industrie, la nouvelle industrie 4.0, que les infrastructures qui sont un besoin énorme, et enfin la santé. Je pense que si vous regardez l'ensemble des journaux, et je le fais tous les jours, vous apercevez que ça couvre l'ensemble des métiers de demain. Donc pour un ingénieur comme moi, je pense que c'est intéressant. En tout cas, je m'éclate pas mal. Et à quoi on peut rêver après 3 ans à la tête de Siemens France? Est-ce qu'on a d'autres ambitions? L'ambition que j'ai, c'est pour mon pays. Parce que je suis encore une fois assez frappé de voir le décalage. J'ai été assez longtemps à l'étranger. Et cette sorte de morosité qui règne en France et qui m'agace profondément. Parce qu'on a toujours l'impression d'être le pays le plus déprimé du monde. Comment vous l'expliquez, cette morosité? Moi, je l'explique assez bien parce que les gens passent leur temps à regarder derrière en disant tout ce qu'ils peuvent perdre. Donc, c'est une nostalgie. C'est une nostalgie et ils ont peur de l'avenir. Et je pense qu'il y a une responsabilité des entrepreneurs, des politiques, de leur faire comprendre qu'ils ont tous les atouts. Quand on parle d'attractivité en France, objectivement, je pense que on est le pays, peut-être avec l'Italie, le plus attractif en termes de qualité de vie. Ça ne devrait pas être un problème d'attirer les talents du monde entier en France. Objectivement, entre le nord des États-Unis et la France, je pense que je sais quoi choisir. Donc je ne comprends pas trop, et je ne parle même pas de la Chine avec un certain degré de pollution, mais il faut vraiment, on a tous les atouts pour réussir. Maintenant, il manque une certaine confiance en soi. Et vous, comment est-ce que vous faites pour garder vos troupes au sein de Siemens France mobilisées
Dans un état d'esprit qui n'est pas dépressif pour les tourner vers l'avenir. 7000 personnes, on n'avait pas dit le nombre de gens que vous employez en France. Bah, écoutez, on essaye justement de les faire travailler. Moi, j'essaye de les faire travailler sur des objectifs, c'est de changer de, j'allais presque dire, de ligue en France et devenir un acteur encore plus puissant qui rayonne. Parce que la France a en plus un positionnement géographique qui est tout à fait intéressant, avec une façade maritime, avec une tradition vers l'Afrique qui a un développement économique tout à fait prodigieux, 7% de croissance par an. Nous avons des atouts, il faut les faire valoir. Donc je me sens, depuis que je suis retourné en France, avec un devoir presque citoyen de contribuer au développement de mon entreprise, l'entreprise Siemens en France, mais c'est-à-dire développement, là encore, de tissu industriel français qui est assez unique. La France est au cœur de l'Europe. Et je pense, plus, d'un point de vue plus général, aussi je dirais qu'il y a une dimension européenne à cela. Si on n'est pas capable de réussir, les grands pays européens, je parle de la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sans doute, à repartir, à créer une véritable union, un dynamisme, nous ne représenterons rien demain face à des géants que seront l'Inde, la Chine, je ne parle même pas des États-Unis. Et j'ai été 10 ans en Chine, j'ai vu un certain nombre d'usines qui sont tout à fait impressionnantes. Si on n'est pas capable de créer un dynamisme en Europe, je pense que nous ne serons plus rien si ce n'est un beau Disney Park français. Et bien voilà, c'était la tribune des décideurs de Christophe Demestre. Merci donc pour ce dynamisme, cette force de conviction qui est la vôtre. Merci Robert pour la participation de la tribune, le représentant de la tribune. Merci à vous pour votre fidélité et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.